c'est sûr que c'est une défaite, mais il faut s'y attendre. C'est en Ligue des Champions, c'est des grosses écuries, c'est des gros budgets. Donc c'est compliqué de rivaliser avec elles, mais je pense que le plus important, c'est de ne pas lâcher et d'essayer de donner le meilleur de nous-mêmes et voilà, de jouer tout le temps à 100%. C'est difficile, c'est des gros gabarits, on n'a pas l'habitude en championnat. C'est plus petit, ça tape moins fort, ça saute moins haut. Et c'est vrai qu'on arrive là, c'est compliqué quoi. On n'est pas forcément habitué à ce niveau-là tout le temps. C'est intéressant parce qu'on joue contre des équipes qui sont quand même bien au-dessus de nous. Après, je pense que ça nous servira pour le championnat. On se servira d'une. Parce qu'on produit quand même un niveau de jeu sur 2-7, le premier on ne le comptera pas, mais un niveau de jeu qui est quand même très intéressant. Et si on joue comme ça en championnat, je pense qu'on peut faire de belles choses. Donc à nous maintenant de le reproduire le week-end. Elles sont plus fortes sur beaucoup de postes, elles sont beaucoup plus que nous sur beaucoup de choses. Donc c'est compliqué. Elles sont plus fortes, plus techniques, plus physiques, plus. Mais après. On a essayé, mais c'est pas passé, dommage. On aurait mérité, je pense, de prendre un petit set, au moins. Quand on est entraîneur et qu'on voit qu'on mène 21-18, je crois, voire 22-19 contre un des prétendants au titre, on passe pas loin d'un exploit énorme. Alors oui, tout le monde va me dire, c'est un super spectacle, vos joueuses ont bien joué, etc., bien sûr. Mais je pense que si vous demandez à n'importe quelle d'entre elles, elles sont déçues de ne pas avoir pu prendre ce troisième set, voire même le deuxième, parce que quelque part, sans cette série de services, on n'est pas loin. Voilà, maintenant, c'est une victoire pour le club, parce que on fait déplacer des gens, la salle était encore pleine, peut-être un petit peu moins pleine que Bakou, mais après, la différence est tellement énorme sur le papier que les gens ont peut-être eu un peu de mal à se déplacer. Et j'espère que la salle sera pleine pour le dernier match. Voilà, c'est une victoire pour les joueuses, parce que je pense qu'elles montrent de belles qualités et qu'elles sont présentes, souvent présentes, mentalement, et qu'elles savent se battre et ne rien lâcher. Voilà, c'est une belle fête du volley, c'est bien pour le volley féminin dans la région. J'espère que, je ne vais pas lancer un appel au don, mais j'espère que ça fera bouger les lignes pour le futur de ce club, de cette équipe, parce que c'est important.